Pam pam pam, pas joueur, pam pam, la pam. Hey, bonjour à tous, bienvenue sur Dakel Live, le live où on joue à Assassin's Creed, parce qu'on n'a toujours pas reçu son Dishonored. Hey, bonsoir Wolf, bienvenue sur le live. La première, la meilleure, comme toujours. Ah, Freddy, dans cette tenue, j'ai failli ne pas te reconnaître. Je trouve que ça vous va très bien. Je vous remercie de m'avoir aidé à collecter ces primes. J'ai été très impressionné par vos résultats et je vous souhaite bonne chance à l'avenir. C'est quoi ce bordel? C'est tout ce qu'il avait à dire, le monsieur? Il a pété une plante, la Berdine, la Berdine. Tu sais que t'es la meilleure. Ah, c'est plaisir. On va faire celle-là. Ça va nous faire aller tout au sud. Et on va y aller à pied, comme ça on gagnera du temps de jeu. Pam 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 pam. Je pense que si vous étiez l'un à côté de l'autre, ça aurait pu démarrer quelque chose d'intéressant. En plus, vous avez pas un écart d'âge trop important. Bonne fille. À faute de démo ou à faute d'autre chose? Allez. Ça c'est à cause de la lune et tout. Ouais, ou au fait que tu t'es totalement déréglé à faute des 24 heures de live, quoi. T'inquiète pas, j'ai un petit problème moi aussi pour récupérer là. Je suis totalement naze. D'ailleurs, j'ai fait encore la sieste au boulot à midi.
Merci. À faute de la lune et tout. Tu t'excuses, quoi. Hey, bonsoir à toi, Abdessine. Bienvenue sur le live. Bienvenue sur Bakael Live. Le live où on dit de la merde. En faisant les missions secondaires de Assassin's Creed. Vous avez vraiment beaucoup aidé les enfants de cette ville. Attends, tu veux dire que je suis un héros? On a réuni ce qu'on a pu pour vous exprimer notre reconnaissance. Merci, Clara. Ouais, j'ai pas dit syndicate, j'ai dit quoi? C'est possible, hein, parce que j'étais en train de faire autre chose avant le live. J'étais en train d'essayer de mettre à jour les listes des lives et il faut que je fasse aussi la bibliothèque que j'ai des jeux disponibles. Plein de choses à faire. Oh, la petite, on dirait Mercredi Adams. C'est vrai que je l'avais pas vue comme ça, mais ouais, elle a un petit côté. J'avoue. Du coup, en fait, tous les mecs à qui j'ai fini le truc, ils vont tous me dire merci, c'était cool. C'est bien. Ils pouvaient me dire des trucs utiles aussi. Salut, policier. Je viens de tuer un mec derrière toi. Non, mais continue à regarder devant, c'est mieux. Tam 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 tam. Là, tout en haut. J'espère que tu as fait les prières. Maybe two. Il est à sortir d'ici. Il est juste là. Je vais te briser les rames. Pam 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 pam. Mais incroyable, des mots, il est toujours en retard. C'est parce que il a pas compris que je commençais les lives vers 20h. Bon, avec un peu de retard encore ce soir. Vous m'en voudrez pas trop, j'espère. Il y en a pas un de vous qui est très bon dessinateur par hasard. Un assassin en Égypte? Mais à quelle époque du coup? Parce que c'est pas logique, parce que... Je me débrouille en dessin. Eh ben,
On va devenir les meilleurs amis du monde, Wolf. Faut que j'améliore la présentation de la chaîne petit à petit. Du coup, si t'as des idées à me proposer, n'hésite pas. Des 500S. Ouais, si tu veux, mais c'était pas très important cette faute d'orthographe. Le débrouiller était beaucoup plus grave. Ah, moi tu me proposes tes talents, je voulais les utiliser jusqu'à ce que tu perdes tout espoir. Nageons dans la merde, c'est bon pour le temps. Je pensais que ça serait ici. Mais non, c'est en haut. En Égypte ancienne. C'est pas logique parce que le fondement des assassins remonte plutôt à l'époque bien après. Enfin, une époque bien après. Du coup, c'est pas logique qu'il y ait des assassins en ancienne Égypte. Ou en tout cas pas sous le même credo. De plus, comment ils vont justifier la lame cachée, quoi? Ou alors c'est appauvrir le gameplay, là. En privé plutôt, à part si les autres le veulent. Ouais, si, envoie-le sur le chat, vas-y. Comme ça, je regarderai juste après le live. Fais-toi plaisir, envoie le lien. S'il fait 15 pages, laisse tomber, envoie-le moi en privé plutôt. Ah, du coup, ouais, ils annoncent vraiment une refonte complète de la série. Ça me semble logique. Et du coup, on va perdre beaucoup du gameplay, et on va avoir un nouveau gameplay. Après, faut voir ce qu'ils vont enlever au gameplay, quoi. Et faut voir ce qu'on va y gagner. Mais je pense que c'est pas une mauvaise idée de modifier la saga, parce qu'elle va commencer à s'essouffler en fait. Là il y a la reine. Allez, on va faire Charles Dickens.
Bah, ça peut être plaisant, mais du coup, faut oublier la guerre entre Templiers et Assassins. Ça sera deux entités différentes en théorie maintenant. Et je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas l'impression d'avoir fini cette guerre, quoi. Laquelle est un échec. Un échec critique. Cette musique épique pour rien, tu sais. Tatam tatam tatatam tatam, tu as tué 4 gars pourris. Asha. Bon, on est où par rapport à Dickens là? Bon. On n'est pas si loin, faut trouver une voiture maintenant. On peut pas monter là-dessus. D'accord. J'ai faim. Sérieux, Wolf, tu m'inquiètes. Tu vis dans la rue ou quoi? Y a un truc.
Tu fais un régime forcé, tu... Très bien. Un monde parallèle. Ça aurait pu être possible, hein, tu sais. Histoire de renouveler le scénario, ça aurait pu être intéressant. Bouge pas, j'arrive. Hey, salut Demo, bienvenue sur le live. Tu es sur Bacal Live et ce soir nous faisons des missions secondaires d'Assassin's Creed Syndicate tout en racontant de la merde et en écoutant Abdessine nous raconter le futur scénario de Assassin's Creed à la crèche. La naissance du premier assassin. Donc ouais, et en plus il t'a pas envoyé les chocolats qu'il t'avait promis. Charles Dickens est un vieil alcoolique. La ville de Londres est le théâtre d'une série de vols plutôt étranges ces temps-ci. Des vols à Londres, ça n'a vraiment rien de surnaturel. Au départ, ils ont l'apparence de vols ordinaires, mais tous leurs auteurs prétendent avoir agi sous l'influence d'un pouvoir surnaturel. Je sais bien que les délinquants font flèche de tout bois pour échapper à la loi. Mais ces voleurs présentent tous le même argument pour leur défense. Ils affirment avoir été sous l'emprise d'un démon. Acceptez-vous d'enquêter ? L'un de ces voleurs possédés croupit derrière les barreaux à l'heure qu'il est. Vous pourriez commencer par aller le voir. Il y a 22 minutes, mon démo. 22 minutes et 53 secondes précisément. J'ai une vidéo avec des indices et des hypothèses sur Assassin's Creed Osiris. Pff, non, pas vraiment, non. Laisse tomber. C'est certainement des délires de fans. À la limite, si ça avait été toi qui l'avais fait, je t'aurais dit oui, mais là, non. C'est toi qui l'as fait ? Ou je te kick ? Si tu veux vivre, ne fais pas le moindre bruit. What do you think you're doing? Never used to see things like that. Damn shame. Ouais, mais c'est pas toi qui l'as faite. Qu'a fait cet homme? Il a volé le prêteur sur gage du quartier. C'est un démon qui m'y a poussé. Mes souvenirs sont confus, c'est le plus étrange. Je n'avais jamais rien volé de ma vie. Faisons comme si je vous croyais. Qui vous a forcé à faire ça? Je ne me souviens que d'une montre en argent qui se balançait. Elle était tenue par quelqu'un, ou quelque chose. Une présence occulte, chuchotante.
Je n'ai vu que ses yeux. Un démon. Il y a quelqu'un qui hypnotise les voleurs. Oui, ça fait deux fois que tu mets le même lien, Abdessine, n'abuse pas quand même. Non mais Demo, tu n'es pas en retard, hein. C'est juste que notre petite louve était un petit peu impatiente de te voir. Elle avait personne pour se disputer. Je l'ai laissé hein, ton lien la première fois, hein. Il n'y avait pas besoin de le remettre une deuxième. Si les gens veulent aller le voir, je ne les arrêterai pas. Moi je n'irai pas le voir pendant le live parce que ça va pourrir ma connexion. Et que du coup, bah on va perdre la connexion. Par extension. Qu'avez-vous au sujet de ce vol? Il n'y a pas grand-chose à dire. La plupart des objets provenaient du même vendeur, Enzio Capelli, magicien et homme de spectacle italien. Il a été obligé de gager des biens de famille voilà quelques semaines, pour honorer ses dettes. Oh, j'ai l'adresse de la dernière personne à avoir acheté l'un de ces objets. Un très joli collier de perles. Ça peut vous aider? Oh, non, encore! Arrêtez-la! Halte! Arrêtez cette voleuse! Tu vas bientôt aller dormir? T'es fatigué à ce point-là? Putain, mais elle est speed! Un prêteur sur gage. C'est très flou, mais je me souviens d'un objet argenté flottant devant mes yeux, puis j'ai entendu une sorte de cloche, et maintenant je suis face à vous. J'ai cours jusqu'au week-end. Ah, en Belgique, il est quand même 21h. Et moi aussi, je travaille jusqu'au week-end. Après, si t'es fatigué, va te coucher, en effet. Il vaut toujours mieux aller coucher quand on commence à le sentir. Attendre n'apporte rien d'autre que ne plus réussir à dormir à ce moment-là. Non, c'est mes parents. Je sens l'heure de rien. Ah, écoute. Toujours aller se coucher et obéir à ses parents.
Ouf, 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 ouf. Mais surtout cours pas, quoi. Cet homme pourrait me conduire au démon. Mais je suis très importante. On n'en doute pas. Ah, le jeu a bugué, quoi. Bien ce que je dis. Je suis fatigué. Eh, bonne nuit, Abdessine. Courage, courage. Le sommeil vient en dormant. Et la fatigue s'y estompe. Pendant ce temps-là, le petit couple est en train de se disputer. Classique, normal. Elle est enfin contente, ouais. Elle a trouvé sa petite cible. Son petit bagels d'amour. Ah, les amours de jeunesse. Pourquoi perdre les bonnes habitudes, Bagel? Je cherche, hein, mais non, je trouve pas. La question serait, est-ce que ce sont vraiment de bonnes habitudes? Ah, j'ai merdouillé, je recommence. Et la première fois, j'ai recommencé parce que le jeu avait bugué. She's a bit mad.
C'est pour décharger le stress quotidien. C'était mieux de le suivre dans les toits. Non, je suis pas d'accord là. Pas pour celui-là. Qui m'apporte de la bouffe? Bah écoute, trouve-toi un mari et dis-lui de te faire à manger. Hein. Après, je t'ai déjà dit plusieurs fois. Hein. Faut que tu trouves un streamer qui habite pas loin de chez toi et tu vas manger chez lui. Bon, j'avoue, là, j'ai fait n'importe quoi, mais... Hop, caméléon. Ah, elle ose pas demander à son chéri. Monsieur Enzio Capelli, je présume. C'est donc vous qui êtes derrière le vol de vos propres bijoux. Vous galégez, vous vous méprenez, n'est-ce pas, mon enfant? Oui, je me méprends. Attendez. Vous vous méprenez et vous sentez la fatigue. La fatigue vous envahir, n'est-ce pas? Oui, je suis très, très fatiguée. Maintenant, vous allez effectuer un petit travail pour moi, n'est-ce pas? Tue-le, tue-le, tue-le. Ma parole, on se croirait dans une basse-cour. Que se passe-t-il? Où suis-je? Vous êtes au poste pour vol. Que dites-vous de ça? Je n'ai aucun souvenir d'un vol. Vous pouvez sortir. J'ai fait jouer quelques relations. Il n'y aura pas de poursuite car vous n'étiez pas vous-même. Vous êtes libre, petit poussin. En même temps, si t'as faim, tu vas l'exploser à rien du tout. Hein. Bonne nuit, Abdessine. Et courage pour les cours. T'arrêtes pas de nous dire que tu vas devoir aller dormir en même temps, Abdessine. Je vais pas te souhaiter une mauvaise nuit. Enfin, si t'as envie, mais...
Pas très gentil quand même. En même temps, hier j'ai dit au moins 12 fois bonne nuit à Wolf. Hein. Parce que j'aime bien le chiffre 12. Mais ouais, je pense que c'était plus aussi. Mais... Oh, la perle de Wabar qui se trouvait pile dans une fichue gare au milieu de 50 milliards de personnes. Ça me donne envie d'aller me coucher moi aussi. Surtout que j'ai reçu Dishonored à Tours. Du coup, faut que j'attende qu'il revienne à Chambéry. Et je sais pas, ça sera quand. J'ignorais que vous aviez une sœur jumelle, monsieur Fry. Evie Fry, c'est un plaisir. J'aimerais pouvoir vous retourner la politesse. Ah non, je te dirais pas bonne nuit, je te dirais mauvaise nuit ou dors mal. Rien de plaisant à m'apporter. Quel est le problème, monsieur? J'ai l'habitude que l'on mette en doute mes idées. À vrai dire, c'est ma raison d'être. Les débats enflammés, argumentés. Mais ces derniers temps, les attaques envers ma réputation ont pris une tournure plus inquiétante. De sinistres menaces contre ma personne et les lieux où je dispense mon savoir. Je refuse que quiconque ait à souffrir à cause de mes travaux. Vous m'avez aidé à combattre Staric. Je suis votre obligé. J'en suis sincèrement touché, monsieur. Mon frère et moi allons nous assurer que vous puissiez poursuivre vos recherches en paix. Normal, j'approuve. Que savez-vous au sujet des eaux? Que tu ronfles au point de t'en réveiller. Par mes lectures. Il serait peut-être plus simple que je vous explique la situation. Il y a quelques jours, un collègue allemand, le docteur Schwartz, m'a envoyé un télégramme. Il m'y informait de son arrivée prochaine à Londres pour y livrer un fossile de la plus haute importance. En fait... Mais non, plaisante, Abdi. En fait, il devrait arriver à Charing Cross d'un instant à l'autre. Accepteriez-vous de veiller sur lui? Je veillerai sur le docteur Schwartz. Il vous remettra ce fossile en main propre. Formidable. Mais redoublez de prudence. Dans la gare, peut-être? Abdessine. À quoi peut bien ressembler un docteur allemand? Si au moins on avait une idée de son physique. Autant chercher une aiguille. Elle est aussi intéressante qu'un caillou. Je suis sûr que t'as plus à offrir que ce que tu penses, ma chère Wolf. C'est vraiment lui. Abdessine, une seule ligne d'émote, s'il te plaît, pas 50. Je reviens, il y a de la bouffe.
faites-vous donc? Monsieur Darwin m'a chargé de vous conduire jusqu'à lui sain et sauf, ainsi que votre paquet. Faites comme si de rien n'était. Je vois. Comment va votre père? Je veux parler de mon cher frère Frank. Nous avons grandi ensemble, voyez-vous? Oh, parfait! Ravi de cette nouvelle. Je ferai de mon mieux pour ne pas mentionner la négligence dont il a fait preuve en oubliant de me parler de la délicate situation qui m'amène ici. Des mots, ne sois pas méchant. À quoi peut bien ressembler un docteur allemand? Tu te souviens quand tu as perdu 10 minutes pour le faire monter dans le train? En effet, ouais, je me souviens, comme j'ai galéré pour le chef de gare. Chercher une aiguille dans une meule de foin. Ouf. J'ai dit zop zop sur un lit. Ça veut dire quoi ce bob bob? Je connais zoc zoc, mais ce bob bob. Si c'est un gros mot ou quoi que ce soit, tu risques de te faire kicker par contre. Pas ban, mais au moins kick. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Il n'a jamais pris une trace. Et du coup, il t'a qui, pourquoi? C'est pas logique ton histoire. Y a forcément un truc que tu nous dis pas. Non, mais un mot vulgaire, c'est pas grave. Tant que c'est pas. Du coup, je comprends pas ton histoire, donc à mon avis, il manquait une partie. Tu l'as pas spammé plutôt?
Je suis un peu perdu dans les expressions de Jones, alors. Merci de ton explication, Demo, mais. Du coup, ouais, je préférerais que vous n'utilisiez pas sur mon live. Parce que c'est nul. À la place, vous pouvez dire Zog Zog Akita. Si vous connaissez pas, bah, je suis désolé. Qu'il n'ait été intercepté en Allemagne, monsieur. Mais je vous rapporte le fossile. Grand Dieu! Je me dois de vous dire que des gens... Carrément, quoi. ...à condition que je ne travaille que pour eux. J'ai bien sûr refusé. Le savoir scientifique n'est pas à vendre. Il est le bien de tous. Nous donnerons du fil à retordre à ces affreux. Accéder au stream de Bacal, quoi. Carrément. Je savais pas, c'est qui a monté cette école là en parallèle là? Faut que je lui parle un peu des droits sur mon stream. Je suis désolé pour toi, t'es mal tombé, on va dire. Mais bon, à la limite, c'est aussi bien que t'arrêtes de le dire. Ça devait être un très bon stream. Mais bon, en même temps, si tu peux pas dire Zbubbub alors que tout le monde le dit... Mais bon, faut pas trop être dégoûté, hein. Y a plein de streamers. Et y en a des nouveaux tous les jours. Tu trouveras ton bonheur sur toutes les chaînes.
Je t'avoue que je regarde plus beaucoup de streams en fait, donc non, je ne connais pas. Mais bon, si c'est pour dire des gros mots, je suis pas fan, donc. Même si je sais que c'est à la mode. C'est tout? Il y en avait plus la dernière fois. Envoie-moi plein de gars là. Du coup, moi je préférerais que vous disiez bit pour dire bit. Du coup, je vais le bannir ce mot. En même temps, pourquoi tu utilises un terme que tu ne comprends pas? La mode n'excuse pas tout, Abdessine. Quoi? Il peut me taper en dehors du... Je voulais monter une secte, en fait c'est Demo qui va le faire pour moi. Demo, ça sera le grand recruteur. Délicieux.
rejoignez la prépa Bacchael et devenez membre de sa secte, ou vous le vénérerez. Ça m'a l'air de tellement être une bonne idée, quoi. Quel combat spectaculaire, Milady! Mes amis, témoignez votre satisfaction à notre nouvelle championne! Faire des lives pour être adulé. Ah mais des idées pour les Assassin's Creed, ils en ont des tas, hein. Ils avaient fait pas mal de visuels quant à ce qu'ils pouvaient montrer ou pas à Abdessin. On peut pas aller plus loin? D'accord. La sortie, c'est la porte. Pourquoi pas? Il y en a eu plein, il y a eu l'époque romaine, il y a eu plein de trucs. Ils en avaient possible. Enfin. Ils en avaient prévu plein. Après, savoir s'ils vont continuer tout ce qu'ils ont prévu, ça. Du nouveau dans notre belle ville de Londres. Tiens, prends ça. Merci. Pom 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 pom. Ah, et ben bonne nuit cette fois, Abdessin. Faites beau rêve. Toi aussi, bon courage. Et y'a Wolf, elle est revenue juste pour ça, quoi. Juste pour dire des conneries, quoi. C'est juste pas possible, quoi. J'espère que t'as bien mangé, Wolf. Quel plaisir de vous revoir, Monsieur Dickens. Est-ce l'heure d'une nouvelle histoire du Ghost Club? Eh bien, pour être franc, oui. Suivez-moi. Le 50 Berkeley Square. Quatre étages et une sinistre levise. Prends garde de toi qui entre ici. Des histoires très étranges circulent à propos de cette ville. La plus ancienne apparition serait le spectre d'une petite fille qui fut assassinée par un serviteur. On l'aurait vu aux fenêtres du grenier, pleurant et se tordant les mains en proie au désespoir et à la terreur. J'ai hâte d'y être. J'ai combattu dans un combat de boxe. J'ai hâte d'y être. Selon une autre légende. En même temps, on m'a toujours dit le meilleur condiment, c'est la faim. Qui se serait jeté de la plus haute fenêtre pour échapper aux pulsions de son oncle. On aurait aperçu son fantôme hurlant, suspendu à l'appui d'une fenêtre. Cette résidence a brièvement appartenu à un Mr. James Jasper, chef de cœur et fervent consommateur de pierre. Son neveu, Edward, était promu à l'une des pupilles de Mr. Jasper. La belle et délicate Rose. Mais Edward a disparu dans des circonstances mystérieuses, suivi par Jasper en personne. Peut-être le chagrin l'a-t-il renvoyé dans les bras apaisants de sa maîtresse. Allez. Allons-y. Sommes-nous prêts? Bien qu'elle soit vide,
Certains disent que cette maison s'anime la nuit, à grand renfort de hurlements, de cloches et de volets qui claquent. Bien qu'inquiétant, ce phénomène est facile à produire à l'aide de boyaux pneumatiques et de valves. On prétend qu'un joute les légendes semble se concentrer sur cette pièce. La renaissance de Wolf 2. Wolf is back. J'attends ici pendant que vous déterminez l'origine de ce rire, qui n'a rien d'inquiétant pour autant. Comment ça se fait qu'il court si vite, lui? Charmant. Maintenant, dis-moi ce que tu fais dans cette maison. Dis-le-moi. D'accord, d'accord. On est venu pour le trésor. On a trouvé la clé du passage secret. Quel passage secret? Ouais, il y a un passage secret au 50. Tenez, la voilà. Mais laissez-moi. Non, non, c'est pas ça, c'est autre chose. C'était un esprit, moi, je vous le dis. Ah, putain. J'ai un rhume, je crois. J'ai un rhume. Je hais les enfants. Et bah moi je suis gros et même en mangeant pas beaucoup, bah je suis gros quand même. Du coup bah j'ai arrêté d'essayer d'être maigre. J'ai préféré accepter ce que je suis. Aucune trace de la clé. La voici. Ah, voilà la clé du mystère. Impressionnant. Ça pleure, ça pleure. Sortez de chez moi! Reculez, Charles. Personne au monde n'aurait aimé Rosa comme je l'ai aimée. Cela aurait dû suffire à tenir à l'écart mon bien-aimé neveu, pauvre Ned. Pardonne, je l'ai fait!
Vous êtes jeune, vous aurez l'occasion de changer avec le temps. Le mythe a perdu tout fondement. Il n'y avait aucun fantôme à Berkeley Square. Rien qu'une âme égarée, que la culpabilité et la drogue ont jeté dans les bras de la folie. Je crois qu'il y a la matière à un très bon roman. Je me demande s'il me reste assez de verve. Tu m'étonnes, en même temps si t'essaies de leur acheter leur gamin. Moi non plus je pense que je serais pas dans ton délire. Par contre, les enfants, vous évitez de kidnapper des enfants. Je vous vois venir, hein, tous les deux. Un wolf qui les kidnappe et Demo qui les vend sur le marché noir. Vous n'avez vraiment aucune idée de la manière dont vous avez fini en cellule ? J'ai l'esprit vide. Je ne me souviens que du reflet d'un objet argenté, un bruit de cloche et une étrange présence. Un reflet argenté et un tintement de cloche, hein ? J'ai bien l'impression que la fatigue vous gagne. Oui. Je suis très, très fatiguée. Maintenant, vous allez faire un petit travail pour moi, n'est-ce pas? Je vais te tuer surtout. Maintenant, je vais faire un travail pour vous. Comme tu m'as coûté pas mal d'argent, je trouve plutôt normal que tu remplisses mes coffres en prélevant les dons faits par le bon peuple de Londres. Tu voleras pour moi, n'est-ce pas? Oui. Je vais voler de l'argent pour vous. Elle mange des fœtus. Ça devient dégueulasse, on va arrêter ici les enfants. Cette conversation ne peut que mal tourner, soyons d'accord.
Au secours! Comment je vais faire pour faire du mal aux gens maintenant? Et tu peux aussi leur faire du bien, tu sais, tu peux aider les gens. Tu peux être un loup positif. Bien, très bien. On ne peut pas laisser des gens comme toi écumer les rues. Tu vas te rendre à la police, n'est-ce pas? Oui, je vais me rendre à la police. Ah, et quand tu y seras, tu leur feras une petite danse tout à fait absurde. Je vais tellement le tuer, ce mec. J'ai été hypnotisé par Enzio Capelli. Ce n'était pas un démon. Et ça... L'infériorité, c'est ce que ressent Demo quand il parle avec toi, ma chère Wolf. Parce qu'il sait que le sexe faible est masculin. Vous méprenez, n'est-ce pas, mon enfant? Oui, je me méprends. J'ai eu un coup de dague, arrête de l'écouter. Attendez. Ne doit s'approcher de...
derrière ces briefers pour des chèvres. Vous galégez, vous vous méprenez, n'est-ce pas mon enfant? Ça te fera te voir trois fois d'affilée, quoi. Je me méprends. Attendez. Veillez à ce que je ne sois pas dérangé. Lâche-moi tout de suite! Je l'admets, je ne suis pas italien! Cela faisait partie de mon numéro. Personne ne veut voir un hypnotiseur anglais! Je m'en moque. Je te donnerai tout ce que tu veux. J'aimerais que vous vous taisiez. Êtes-vous en rapport avec le docteur Eliotson? Jamais entendu parler. L'hypnose criminelle. L'idée n'est pas vraiment brillante. Comment oses-tu? Je suis hypnotiseur! Ta voix suave me suffit amplement. Tu as entendu la voix de Wolf, toi? Non, ça suffit.
Du coup, là, ça tombe quand même sous le coup du mensonge pathologique, hein. Vous allez réparer vos méfaits et libérer les gens dont vous vous êtes servi. Ah, mais le chant des sirènes était hypnotisant, mais il n'était pas forcément beau. Le suicide. Ah, j'arrête de parler alors. En même temps, tu ne parles pas, tu tapes, ma petite. Ma petite. C'est intéressant tout ça. Je vous dis ou pas que ça me fatigue de jouer ce soir? Vraiment qu'on trouve un nouveau jeu, hein, les enfants. Dishonored. Non, ne nous dis pas, Baka. D'accord. Bah, en fait, j'ai fini l'histoire, c'est ça qui me fatigue. Et les missions secondaires sont vraiment pas top, quoi. Vous êtes là. J'ai quelque chose pour vous. Ce n'est pas vraiment nécessaire. D'autres cadeaux? Tu me gâtes, Grigny. Les Templiers sont en déclin, et je suis contraint de l'admettre. Les Rooks prospèrent. Tu entends ça, Evie? On prospère. Vous avez fait du bon travail à Londres. Je suis fier de vous.
C'est tout? C'est tout? Hey, salut à tous les gars, comment tu vas? Bienvenue sur Baquet Live, le live où on joue à Assassin's Creed et où on finit les missions secondaires qui sont tellement secondaires qu'ils ont même pas pris 5 secondes pour faire un vrai dialogue. Bah ouais, en effet, ça fait un moment. J'espère que tu vas bien. J'espère que t'as pas eu de soucis, surtout. Ça y est, t'as passé le Taurus. Dans Dark Souls 1. Ça fait un moment qu'il l'a passé celui-là. Il en était à Dark Souls 2, je crois. Tu les as tous finis du coup? Ah bah GG. Moi aussi. Bah quoi, moi je les ai finis les Dark Souls. Pourquoi ce serait du troll? Trop compliqué vos trucs de jeunes là. Vous vous trollez avec trop de facilité. Avec trop de facilité. Baquet, l'humoriste. Non, il n'osera jamais. Il n'oserait jamais, il aurait trop peur que je le kick. Et bah re à toi, Abdessine. Du coup, bah pas bonne nuit. Hein.
En fait, le problème, c'est que les joueurs de Dark Souls pensent vraiment que ceux qui galèrent dans Dark Souls, c'est des gens qui jouent pas bien. Alors qu'ils comprennent pas qu'il est possible aussi de galérer en jouant à Dark Souls. C'est une petite élite, hein, les joueurs de Dark Souls. Ah, mais même en le connaissant par cœur, il y a des passages qui sont pas faciles dans tous les Dark Souls. Et c'est bon, il est parti en mode troll. Vous vous rendez compte ou pas que le live va bientôt s'arrêter, les enfants? C'est ce que tu dis. Ah, ils sont pas faciles, les Dark Souls. Définitivement. Même quand tu l'as fini plusieurs fois. Et peut-être justement, quand tu l'as fini plusieurs fois, il y a des trucs que tu. Pas que tu apprends pas, mais que. Qui sont pas faciles à garder. J'en ai marre d'arriver à la fin. Il reste encore une vingtaine de minutes, mais. Comment tu peux nous faire ça, Bakay? Je dois dire que. Les lives, normalement, c'est 2 h le soir. Parce que je suis crevé. Et... Non, non, mon titre, c'est Assassin's Creed Syndicate partie 7, les missions secondaires. Mais tu m'auras pas cette fois, Abdessine, parce que là, je le vois ce soir. Bonne nuit, Abdessine. Pour la 12e fois. Toujours est-il qu'il reste 20 minutes, hein, les enfants. Là, c'est mon père et il faut pas rigoler. Ah oui. Il fallait déjà pas rigoler avec ta maman. Allez, va dormir. Ça fera du bien. On se revoit demain ou plus tard. Quand tu seras libre. La soumission. Anwer, il est peut-être plus jeune que toi, du coup. Dis-lui pas ça, tu vois. Essayons de montrer notre exemple aux jeunes. Nice! Ouais! Tu l'as défoncé! Tu vas me choquer. J'ai quelques doutes à ce sujet, Slegorn, sans vouloir te vexer. Ah, Fry, vous voilà. Je suis ravi de vous voir. C'est une véritable aubaine.
Il semblerait qu'une plante fort toxique, ayant la faculté de laisser les hommes en proie au délire, ait été découverte dans ce parc. Pourtant, cet étrange végétal demeure inconnu de la science moderne. Je crains que la population de Londres ne soit en danger. Pourriez-vous mener une enquête ? Je crains que la population de Londres ne soit en danger. Pourriez-vous mener une enquête ? Comment vous jouez tous les lescus dès qu'elle dit que c'est une fille, quoi? Cette fleur sort de l'ordinaire. Darwin avait raison au sujet de ces plantes. Oh, je ne me sens pas bien. En voilà une qui ne fera plus de mal. Vous êtes totalement à l'ouest, les gars. En même temps, Demo, il a déjà rêvé de toi hier soir. Il va pas encore rêver de toi ce soir. Voyons. Sans doute les empreintes d'un curieux jardinier. Darwin voudra sûrement examiner ses fleurs. Ça fait un peu plus d'une semaine maintenant, Slegorn. Bientôt deux.
Un mois, Wolf? Non, ça fait pas tant long, c'est pas tant de temps que ça quand même. Ou alors le temps passe si vite quand tu es là. Bah moi je rêverais pas de toi, Wolf, premier. Je laisse ça à Beagle. Et puis bonne nuit du coup, vu que tu nous quittes, alors que tu disais que je partais honteusement. Ah, elle a pris pas mal de level quand même, hein, Slug, hein, pendant ton absence. Hein. Elle est bien level 16-17 hein, déjà. Il a pas arrêté de parler de toi d'ailleurs. Il y a au moins une fois où t'as parlé de lui, Demo. Samedi. Mais moi, j'ai une grande place dans ton cœur, Bakar. Mais je n'ai pas de cœur. C'est vrai que tu fais partie des gens qui m'ont pas mal soutenu pendant les galères de Demon's Souls et de Dark Souls et de tout ce qu'il y avait autour. Tu es important sur ce live, Slug. Tu n'es pas n'importe quel Slug, tu es Slug Horn. Tu as une corne. Non, c'était pas drôle. Bon, allez, je vais me coucher moi aussi. En fait, c'est une femme. Tu montes une galerie d'art, Weiner ? Un cadeau pour mon ami Adam. C'est ainsi que vous traitez tous vos amis ? Oublions ça. Je tiens à vous remercier pour votre aide. Vous êtes particulièrement efficace. Acceptez ceci en témoignage de ma gratitude. Bien. Londres est toujours en mouvement. C'est pas le travail qui manque. Je retiens, mort de rire. Tellement...
vous aimez vous taper dessus les gens. Sérieux, prenez une chambre. J'ai tellement pas envie de faire les dernières missions. Ah, on commence à monter une petite communauté bien sympathique, j'avoue, Slag. Ça fait plaisir. J'espère que ça va rester comme ça et qu'on aura toujours des petites personnes pour discuter comme ça, à se taper des bons délires sur le côté pendant que je galère à jouer. Après tout, ça sert à ça, un live. Mais bon, on sait toujours pas ce qu'on va faire demain soir. Eh, bonne nuit ma petite Wolf. Faites beaux rêves et rêve pas trop de bagels. C'est mauvais pour la ligne. Tu vas nous le vexer par contre si tu lui dis pas bonne nuit. Elle a pas dit des mots. Ah, elle est en froid avec des mots, là. Il l'a traité de chienne, donc... Moi, je te vois tout à l'heure dans l'arène. Il y a un dessin animé où... des jeunes filles se battent dans une arène dans le monde des rêves. Il était plutôt pas mal, d'ailleurs. Enfin bon. En plus, c'est des mots qu'a cherché, hein, Slegorn. Il cherche tellement la louve que je pense qu'à un moment, elle va aller l'agresser avec un couteau. C'est bien d'être confiant des mots, mais il faut savoir aussi se méfier. Certains adversaires peuvent être terribles. Surtout quand on a passé plus d'une demi-heure à les insulter. Tout ça à la fois. En même temps, moi, quand j'ai dit chienne, je pensais pas à l'insulte, hein. Je pensais vraiment au féminin de chien. Ne soyez pas outrés. Peut-être t'ai-je rencontré, peut-être pas.
suis en quête d'une relique. Laisse-moi te révéler la vérité. Ah, on avait loupé quelque chose. Lithia Fry. C'est qui Lithia Fry? La maman? La deuxième vague. D'ici une heure, au plus tard. Quoi? Ce n'est rien. Le générateur qui fait des siennes. Je vais aller voir. Oh, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Halte là! Quel manque de politesse! Même en ces heures difficiles, nous ne devrions pas oublier les règles de la courtoisie. Baissez vos armes. Il semble que nous soyons sur la même piste, Miss Fry. J'étais là avant vous. Certes, et je vous en félicite. Mais je crains que nous n'ayons pas totalement éliminé l'ennemi qui sévit dans les parages. Il y a une autre radio. Accompagnez-moi, si vous le voulez bien. Nous devons trouver ce deuxième émetteur, où de nouvelles vagues de zeppelins risquent d'envahir nos cieux. Vous manquez de soldats, à ce que je vois. Si vous pouviez faire usage de vos inépuisables talents au Tower Bridge, notre nation courageuse mais accablée, vous en saurez gré. Je me contenterai du droit de vote. La conception de la délicatesse, c'est de faire des câlins. Ça fait mal, hein. Ça fait mal aux oreilles. Ils sont pas causants, c'est le moins qu'on puisse dire.
l'écoute d'une radio. Il peut te l'être. Putain, elle a pas les talents par contre. Bah si, pourtant. Tu veux dire qu'il faut pas l'attraper directement par les seins? Ça a l'air nul comme idée. Oh là là là. Pourquoi il ne nous laisse pas passer? Il n'y a que quelques voitures. Trop tard, assassin. J'arrive pas à dire si t'es sérieuse ou pas. Je me rapproche. La radio est près du fleuve, mais je manque encore d'informations. On n'est pas célibataire, on est en difficulté. Non, non, moi je suis célibataire, mais c'est un choix actuellement. Moi je te respecte en tant que personne en fait.
le fait que tu sois une femme n'est pas très intéressant en soi, sans vouloir être méchant. Hey GG démo pour ton level 29. Tu as un droit de décision quant à ce que l'objet sera. J'aime bien les femelles lapins là. Vous devenez trop turbulent à mon goût. Non, c'est pas possible. Vu que c'est toi qui crée la moitié de la turbulence, ma chère Wolf. Cela va être bien calme à partir de maintenant. Bonne nuit. Ah, ils t'ont un peu dépassé. Hein. C'est vrai que j'ai des grosses fesses, il y aura de la place pour tout le monde. Mais pas trop loin.
les ennuis approchent. Attention, on nous aborde. Repoussez-les. Attention, on nous aborde. Repoussez-les. En position, c'est pour le côté dramatique. Rasé pour le slip de Baka. Je sais pas dans quoi vous êtes parti pendant que j'essayais de tuer des avions, mais ça a l'air totalement à l'ouest là. Ce spectacle me réconforte, Miss Fry. En plus, moi je porte des caleçons, les gars. L'un de mes projets expérimentaux, quand j'étais Lord de l'Amirauté, je n'ai pas toujours été un homme de l'ombre. Nous avons peut-être porté un coup à l'ennemi, mais Londres fournit toujours d'agents allemands. Il en existe un nouveau groupe, différent de tout ce que j'ai connu. Ils sont d'une ferveur fanatique, presque religieuse. En effet, sans véritable preuve, je ne peux en parler à Mr. Asquith, mais je pense qu'il constitue une menace. Si vous vous en chargez, je vous donne ma parole qu'une fois de retour sur les bancs du Parlement, je ferai tout mon possible pour exaucer votre souhait. Un vote fait bien souvent plus de dégâts qu'une balle ou qu'une lame. J'ai jadis vécu sur Terre, tout comme toi.
Je suis né dans la caste des Illuminates, dans la cité de Feya, en l'an 2195 de l'ère Isu. Aujourd'hui, j'arpente les vastes couloirs de vos machines, errant dans le gris. Mais je reprends des forces. Le monde sera bientôt prêt à m'accueillir. C'est pourquoi je t'ai fait venir dans cette simulation de guerre. Pour te livrer une histoire. Notre histoire. Comment je peux recevoir des points de compétences alors que j'ai fini le jeu? J'ai envie de caresser un fennec maintenant. Oh putain, t'en sors de la merde, mon ami. Hey GG Wolf pour ton level 18. Les amis, le live va s'arrêter ici malheureusement. Je sais que vous êtes déçus, mais nous continuerons demain. Et ouais, l'âge de Slegorn. Et à bientôt sur Bakael Live. Le plus important. On va prendre la synchro quand même. Les enfants, bonne nuit à tous, c'était Bakael Live et c'était Assassin's Creed que nous finirons demain. Demain ça sera le dernier live sur Assassin's Creed Syndicate. Donc ne soyez pas déçus. En attendant, bonne nuit à tous.